Fucked up. Est-ce qu'on sac sur ta chaîne, ouais? Ah mon dieu. Ça fait longtemps que j'ai pas... Qu'est-ce qu'on sac? Allô YouTube! Donc aujourd'hui, je suis avec... Marie Gagné. Chez... Marie Gagné. Et aujourd'hui, je me suis invité chez eux pour faire une vidéo. Donc aujourd'hui, on va piger dans un petit bol des phrases qu'on s'est tous déjà fait dire si on est gay ou lesbienne et qui sont pas agréables à se faire demander ou à se faire dire. Donc si vous êtes à la maison, ne posez pas ce genre de questions ou ne dites pas ce genre de phrases aux gens LGBTQ+, parce que ce n'est pas le fun. J'ai bien hâte de voir. Ouais, et ça va être chacun notre tour et on va élaborer sur la dite question nos pensées là-dessus. Un concept incroyable, vraiment, ouais, vraiment galé, je sais. Absolument. Ah! C'est la première fois que nous on le fait, fait quoi? Ouais, non, fais ça. Regarde, c'est ça. Okay. Donc vas-y, en premier, à toi la main. Tu es gay/lesbienne. Ça veut-tu dire automatiquement que tu me trouves de ton goût? Ah non. Oh non! Oh my god! C'est ça, ça t'est arrivé plein de fois, là. Ouais. Genre, c'est comme. Non, mais. Comme l'autre fois, j'étais dans un chalet justement avec les filles. Genre, c'est comme ça, ça s'en venait wild. Puis t'étais comme, ah, c'est clair que t'avais vraiment du fun. Genre, j'étais comme, non, c'est mes meilleurs amis. Genre, à quel point ils sont comme friendzonés. Il y a rien, il y a aucune ambiguïté. Là. C'est comme si aussitôt que c'était des filles, fallait que tu sois into them. Genre, non, ça n'a pas rapport. Non, ça n'a pas rapport. Oh, quoi? Ouais. Ça m'est arrivé aussi le nombre de fois qu'ils m'ont dit, genre, ça me dérange pas que tu sois gay, mais tu sais, genre, crouse-moi pas. D'autres, tu sais, les filles, te crouse pas. Les gays non plus, genre, tu gardes ta face de merde. Comme si, vu qu'on est gay ou lesbienne, on a plus de type, genre. Comme, on a plus de type, on aime. Toutes les hommes ou toutes les femmes. Ah, t'as un vagin, I'm into you. Non, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, je suis en masque maintenant. Non. Mm-hmm. Donc, c'est à mon tour. Yes, c'est à toi. Il y a certaines phrases, questions que c'est vraiment plus placé pour les lesbiennes. C'est vrai? Ok, comme... genre. On va quand même essayer de répondre à l'idée. Oh, que tu aies du gaspillage si tu étais hétéro, là. Même si j'étais hétéro, I wouldn't be into you. Non, c'est ça, on l'a déjà dit, guys. Ouais. Comme, ça change rien. Mais de quoi du gaspillage? Du gaspillage, ouais. J'ai jamais compris. Ah, ah. Genre... Tu sais, en soi, c'est quoi du gaspillage? C'est de la bouffe que tu jettes, là. C'est comme si c'était une honte de sortir avec quelqu'un du même sexe. Genre, c'est une perte. Fuck that. Est-ce qu'on sac sur ta chaîne, ouais? Ah, mon dieu. Ça fait longtemps que j'ai pas... Qu'est-ce qu'on sac? On fait ce qu'on veut. Parfait. Chris Abarnak. Mais tu as pas l'air lesbienne slash gay. Oh my god, j'aurais jamais pu deviner how. Story of your life. Yep. Oh mon dieu. Littéralement. C'est l'affaire, j'avais déjà fait une vidéo sur le coming out. J'étais comme à quel point, moi en tant que femme, ou genre système lesbienne, faut que je fasse mon coming out à chaque jour parce que les gens que je connaisse pas pis qui assument ma sexualité pensent que je suis hétérosexuelle right away, genre. Mais ça dépend des fois. Mais j'ai quand même une énergie assez masculine en général quand tu me connais. Ouais, mais t'as dû tellement te faire dire souvent « Oh my god, je n'aurais jamais pensé dans des événements des affaires. » C'est comme... ça. Mais quand tu commences à me connaître, tu peux comme catch the vibe. Mais à première vue, tu sais, je me suis jamais fait écœurer par rapport à mon look. J'ai pas un look de butch. Là. Tu vas jamais me confondre pour une lesbienne si tu me connais pas, tu sais, malheureusement. C'est stéréotypé. Mais... c'est ça, c'est quoi avoir l'air gay? C'est quoi avoir l'air lesbienne, tu sais? Toi, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir l'air straight? Pas souvent. Ça m'est arrivé une couple de fois là, quand que, mettons, je fais des affaires de base régulière. Mm-hmm. Tu sais, j'ai des tatoues dans la gorge, puis tu sais, si je me mets pas à m'exciter, ça brosse ou à parler. Tu t'exprimes pas. Si je m'exprime pas, puis je bouge pas, puis que je suis sur une photo, ça passe. Mais oui, mais je comprends juste pas c'est quoi ce commentaire-là. Genre, ah, t'as pas l'air, j'aurais l'air pensé, tu sais, comme. Mais c'est tellement stéréotype. Comme surtout les filles, je pense qu'il y en a tellement de. N'importe quel style. En fait, les gars aussi. Là. Genre, mon ex, c'était un culturiste qui avait l'air 0-0 gay, puis ça le faisait dire à toutes les crises de jour. C'est juste pas nécessaire. C'est pas nécessaire. C'est comme encore les vieilles mentalités que, comme, les gars gays doivent être full efféminés, puis que les filles lesbiennes doivent être full masculines, mais comme. Ah, c'est ça. Vraiment, ça part pas. Non, vraiment. Ouais. Je t'avoue. J'ai monté de lait, je pense, à cause de. C'est pas vrai. Alors, dis-moi, qui joue le gars? Ah, ça, c'est drôle pour toi, cette question-là. À chaque fois, j'ai envie de répondre. Ouais. Si je suis dans une relation lesbienne, c'est parce que les gars ne m'intéressent pas, donc on est deux femmes. Qui joue deux femmes. Tu sais, oui, il y en a peut-être une qui va être plus masculine, mais il n'y a pas de rôle de qui est plus gars, qui est genre, we're two women, tu sais. Ouais, non, ça m'arrive quand même souvent, ça. Ouais, ça m'arrive quand même souvent. Puis souvent, le pire, c'est que les gens sont comme. Tu sais, mettons, mon ex était quand même masculine, puis il était comme, ah, genre, c'est clairement elle le gars, ou genre, ou comme la dominante, jusqu'à quel point, absolument pas. Ben, limite, si tu dis le dominant, ça passe quand même plus que le gars, là, genre. Mais même à ça. Ouais. Genre, t'es qui pour assumer qui de. Non, ça appartient tellement à un couple si t'as envie de share great, mais comme, ok, toi, tu dois être genre the top man. Puis, fun fact pour les gays, là, souvent, le gars le plus masculin, c'est lui le bottom. Puis, souvent, c'est le petit chihuahua qui va être le top. Oh my god. Je te le dis, c'est ça qui est le plus drôle. C'est meilleur. Fait qu'arrêtez, t'as soumis. Tu devrais vraiment rencontrer mon ami lesbienne ou gay.
À chaque jour. Hey, pour vrai, guys, on en rencontre des gens lesbiennes et gays. Et on est quand même, tu sais, pas en couple nécessairement. Fait que je veux dire, ton ou ta seule amie lesbienne ou gay, il n'y a pas beaucoup de chances que ça soit un match parfait. T'sais, exactement, comme... ça me fait tellement rire. Même l'autre fois, il y a un gars qui me dit « Ah, tu devrais rencontrer, j'aurais comme des amis à te présenter. » Moi, je demande en job « Ah, mais sont-tu gays? » Comme « Ah, ben je sais pas, mais je trouve que c'est tellement un trend ces temps-ci. » Un trend. J'étais genre, what are you talking about? De quoi un trend? Si c'est un trend, trust me, je choisirais pas. Ben oui, pas moi tout. Non, mais, facile. Là. Mais c'est ça, exactement. Je suis comme, what the fuck, un trend? C'était le commentaire le plus wack que j'ai jamais entendu. J'étais comme, what? Donc si tu es la personne qui a dit ça, reconnais-toi et shut the fuck up. Shut up the fuck up. Shut up the fuck up. Comment faites-vous pour avoir du sexe? Ça, c'est clairement pour toi encore plus. Là. Ouais. Comme, ah non, mais j'aimerais pas le site avant comment ça. Puis tu sais, c'est la première fois que tu la rencontres dans un party, puis elle a bu deux verres de vin de trop, puis elle te demande ça quand ça fait 5 minutes, tu y parles. Combien de fois t'étais arrivé? Name a number. Je peux pas. 2000? 3000? Probablement, ouais. Ça, je pensais. Ouais, c'est souvent les gens hétéros, tu sais, qui te demandent ça, genre, parce qu'ils comprennent pas comment ça se passe. Parce que eux, sexe, imagine, vagin, pénis, pénétration. Comme si le sexe c'était juste cet acte-là. Boring! Ouais, exact. À quel point le sexe pour moi c'est une expérience avec l'autre personne, c'est rentrer dans l'intimité de la personne. T'sais, pas juste dans l'intimité, là. Non mais tu sais, non mais c'est vrai, right? Très très vrai. Fait que c'est ça, genre je veux dire, ça varie de couple en couple, même les couples hétérosexuels là, ça va être différent de la façon qu'il faut. C'est juste, c'est tout le temps la fille un peu seule dans une toilette d'un club qui te connaît pas, qui te demande « Ah, t'es lesbienne, comment faites-vous? Ouais. Je crois que je dois partir, oui merci, mais je m'appelle. » Oh, ouais, c'est ça, oh excuse-moi. Mais tu sais, c'est l'ignorance, guys, parce que vous connaissez pas le sujet, je sais que vous voulez pas mal faire, mais... C'est ça l'affaire, c'est qu'ils veulent pas mal faire, mais... C'est juste, on l'a entendu tellement de fois que cette vidéo va vous servir à vous éviter! Je pense que tout est dans la manière. Ouais. De demander aussi si t'es comme, hey, ça m'a toujours... Mais y'a-tu vraiment une manière de te demander, mettons, c'est qui le gars? Non, pas dans ce sens-là, mais mettons, comment vous avez du sexe, je peux comprendre que c'est full... Quelque chose de unknown. Alors, j'ai écouté tes vidéos, ils vont le savoir. Ouais, effectivement. Ah. Comment ça marche dans les dates? Et qui paye, genre, ça doit être mélangeant? Je suis plus capable. Comme tous les livres une après l'autre, j'ai envie de lancer à terre à terre. Moi, j'ai comme dit pour dire que même dans une relation hétérosexuelle, je trouve que ça devrait être genre les deux qui payent la première date, puis la deuxième date, c'est lui qui invite qui paye. Fait que je pense que c'est un peu le même principe pour les gays et lesbiennes. Moi, je vois ça de même. Mais peu importe si c'est un couple hétéronormatif ou whatever, là, t'sais, genre on est deux personnes individuelles, strong, independent, genre. T'es capable de payer tes shit, là, je pense. Comme si t'arrives à la facture, t'es comme, mon Dieu, que faisons-nous? Nous sommes deux gays. C'est ça. Oh mon Dieu, qui paye? What the hell? Genre, quand tu reçois la facture, tu vas aux toilettes, moi, c'est mon truc, puis l'autre, il paye. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Oh my god, tu pourrais être ma meilleure amie gay. Ah non, ça me concerne plus, je pense, parce que. Parce que ça arrive pas tant aux lesbiennes, tu sais, juste dans les médias, les lesbiennes, comment elles sont représentées, souvent ça va être genre la hippie vegan, genre féministe, genre frustrée, genre du calice. Fait que t'as plus le goût d'être amie avec le meilleur amie qui va t'aider à magasiner puis qui va te maquiller. C'est-à-dire, je magasine pas avec mes amis puis je maquille pas non plus. Parce que si je te maquille, carrément, tu seras pas cute. C'est quoi ce stéréotype-là? Même problème, moi, si tu me dis, oh my god, j'ai toujours voulu avoir un meilleur amie, je te jure sur ma tête que ça se passera jamais. Tu seras même pas une amie, tu seras même pas un meilleur ami, ça va être une petite connaissance puis malheureusement, je te connais, mais je vais t'avoir bloqué partout. C'est juste qu'à quel point on est plus qu'une orientation sexuelle. Est-ce que tu vas être mon meilleur ami? Il n'y a pas de guillemets comme je suis une personne à part entière. En tout cas, après cette vidéo-là, vous allez être éduqués pour rencontrer des gays et des lesbiennes pour toute votre vie. C'est vrai. Peux-tu reconnaître les autres gays ou lesbiennes? Ben, as-tu un gaydar? Ça me fait souvent demander ça. Ça me dérange, ça me fait rire en fait cette question-là. Ouais. Ben, j'arrête pas de dire que j'ai un gaydar vraiment aiguisé. Genre, je suis vraiment aiguisé? Bonne. Aiguisé? Ou aiguisé? Oh! Oh! Gars. Mais toi, t'es peut-être un. Ben, j'en ai un avec les gars. Mm. Les filles, j'ai plus de misère. Ouais, jusqu'à vous, je crois qu'elle est lesbienne. Ouais, finalement, ouais, avec ses chimères. C'est souvent quand t'as une voix de fumeuse pis t'as une jambe de bois, je pense qu'elle est lesbienne. Je l'ai pas rencontré souvent. Je l'ai pas rencontré souvent deux, trois fois. Ouais, finalement, elle est hétéro, fait que je sais pas. Mais ouais, non, j'ai un gay d'or pour les gays, mais souvent, je pense que les hétéros qui sont trop fins sont gays. C'est juste parce qu'ils sont fins et sont ouverts d'esprit. Je me mélange un peu là-dessus. Puis je trouve ça poche parce que dans le fond, vous êtes juste ouverts d'esprit et gentils. Ouais. Puis c'est facile de faire « Ah, je crois qu'il est gay! » Mais non. Là, avec des fois, tu confonds la gentillesse avec le flirting. Ouais, toi aussi. Mm. T'es comme « Tellement gentil, je crois qu'elle veut me bouffer le chien! » Être gay slash lesbienne, ce n'est pas naturel. Comme ton vieux cul. Comme ta vieille face. Ça, c'est le genre de commentaire qui me fait chier. T'as plus ça online, mettons. Tu sais, je veux dire, ben oui. C'est rare qu'il m'arrive dans la face, c'est comme, hey, être lesbienne, c'est pas naturel, non. C'est pas Adam et Steve. C'est ça. Hey.
Aïe, mais ouais, ça fait. Je pense que c'est le commentaire qui me fait le plus chier, probablement. Ça, c'est vraiment homophobe, ouais. Gratuit, là. Mm-hmm. Tu sais, je veux dire, c'est tellement quelque chose à la naissance. T'sais, tu choisis pas ça. Qui choisirait ça? Mais non, c'est ça. Façon, je veux dire, justement, je trouve tellement que c'est évident quand les enfants, ils savent même pas c'est quoi la sexualité, puis il y a déjà des signes qui sont attirés vers le même sexe. Tu sais, c'est pas un choix que t'as fait, c'est dans toi, là. T'sais. Comme les animaux se fourrent entre eux. Ouais. Je veux dire, y a-tu quoi de plus naturel que les animaux? Dans le temps, genre dans les années comme 1500, comme les rois, là, ils se faisaient fourrer par des gars. Ben les rois ont compris l'affaire. Non. Ah, ça c'est pour toi. Mm. Faites-vous les ciseaux. Oh my god, ok, ça je le reçois tellement souvent. Oui, j'ai fait beaucoup de bricolage! C'est comme... Papier mâché! Les ciseaux, c'est tellement un concept. Tu sais comme, on n'est pas genre... genre de même, là, tu sais, je veux dire, il y a différentes façons. J'ai fait une vidéo complète sur comment faire les ciseaux. Allez, si jamais ça, vous voulez voir ça. Moi, tu sais, comme oui, on fait le ciseau, mais non, tu sais, il y a juste plein de façons. J'ai des de amis faire. Qui m'ont dit que oui, puis des amis qui m'ont dit que non. Mais c'est parce que tu peux pas. Tu sais, mettons, c'est le corps de la fille, puis moi, c'est mon corps. Il faudrait quelqu'un qui gravite, calisse. Comment tu veux être de même? Ouais. Mais écoute, on fait plein d'autres activités sexuelles. Il n'y a pas juste le ciseau. Ils font le ciseau, l'équerre, le compas. Le rapporteur d'angle. Le rapporteur d'angle. Mm-hmm. Ils font toutes ces positions-là. Okay. Il en reste juste trois. Oh! Juste trois. Juste trois, guys. Oh my god. As-tu essayé avec un gars ou une fille pour être sûr, Oui. Oui! Oui! Et j'étais déjà sûr, C'est vrai? Oui, j'ai couché avec des filles, après avoir fait mon coming out. Parce que j'étais curieux. Bitch, I'm shookiote, je pensais pas. J'étais curieux. Donc, c'est juste comme, je me faisais souvent demander, as-tu déjà essayé avec une fille pour être sûr par des gars hétéros? Puis je suis comme toi, t'as-tu essayé avec un gars pour être sûr, c'est la même chose ici, monsieur? Comme, l'attirance sexuelle se fait naturellement. T'as pas besoin de l'essayer pour être sûr. Mais moi aussi, j'ai déjà couché avec des gars. Ouh, puis t'es-tu sûr? Quand as-tu décidé d'être gay? Le 4 septembre 2003 à 12h40. C'est vrai? Oh my god! Moi, c'était le 4 septembre, le barnac. Oh my god! C'est l'anniversaire à Beyoncé. Fait que ça fait du sens. Exactement. Mais ouais, ça, c'est une. Je pense que c'est dans mon top 3 des questions qui font le plus chier aussi. Genre, quand as-tu décidé? Ce n'est pas un lifestyle. C'est une orientation sexuelle qui me fut attribuée à la naissance. Donc, c'est pas un choix. La semaine passée, j'étais hétéro et il y a deux jours, j'ai fait « Oh, ça me tente d'être gay. Let's be gay. » On va essayer la pansexualité aujourd'hui. Ouais. On a commencé à chanter des tunes de Broadway dans la rue en crachant des rainbows. C'était malade, je lançais des glitters. Wouhouhou! Shut the fuck up. Dis-leur, toi aussi. Dis-leur. Shut the fuck up. Sur ma chaîne, t'as le droit. Parfait. J'ai regardé mes stats, il y a personne en bas de 18 ans, même pas une personne qui me suit. Personne. No one. So, ici, c'est un espace où tu peux... Faire la split, un safe space. C'est tellement gay! Ça finit là-dessus. Ça, c'était plus au secondaire. Ça, en fait, je trouve qu'en tant que gay people, nous, on a le droit de le dire. Ouais. Tu ouais. Genre, j'arrête pas de dire, oh my god, that's so gay. Je suis comme, oh my god. Mais nous, on peut. C'est genre une lesbienne qui roule ses manches. C'est ça. That's really gay. Genre, j'aime tellement ça dire ça, oh my god, that's so gay. Mais quelqu'un qui est pas gay puis qui est comme, c'est grissement gay puis tu le vois que c'est dans un. C'est négatif. C'est un ton dégradant, péjoratif, t'es comme, ça passe plus ou moins. T'sais. Non, ça passe à moi. Tout est dans le ton, là. Genre. C'est comme si nous, mettons, on va être quoi de crush pour faire ça? That's so straight! Donc, c'est tout pour la vidéo, guys! Nous n'avons plus de bannis. Ça passait tellement bien. Je sais, quand on est en bonne compagnie comme ça, dans le salon de Marie Gagné, avec Marie Gagné. Donc, merci Marie d'avoir été sur ma chaîne, tu es incroyable! Et allez la suivre, Gab! Allez la suivre! Guys! Elle a du contenu LGBTQ+, incroyable! Et encore plus! Puis on va faire une vidéo aussi sur ma chaîne avec Rémi. Oui! Le lien va être dans ta description. Oui, exactement. Allez voir ça. Ça va être en ligne sur sa chaîne. Et merci. Faites un thumbs up, abonnez-vous. Je vous aime. Et à la prochaine! Ha, ha, ha.